fort, Swindle. Ouais, bah, c'est Corsair, hein. Bonjour. Revue TF, Combiner Wars, numéro 4 sur 5, Bruticus, Combiner. Et voilà, Swindle. Donc, Decepticon, comme les autres, hein. Plus pratique. So. Ah, celui-là, il fait partie de mes préférés. Hein. J'adore son look. Hein. La tête. Sympa, voilà. Belle tête. Donc, comme d'hab, hein, ball joint. Hein, part dans tous les sens. Ball joint pour les épaules. Voilà. Le coude qui se plie. Donc, très articulé, voilà, grâce au ball joint au niveau des hanches. La petite rotation qui va bien, le petit genou. Et un petit bout de pied qui peut s'incliner. Donc résultat. Voilà. Lui peut faire normalement quelque chose de plutôt sympa avec. Hein, niveau des poses. Logo Decept là sur l'épaule, voilà, détail un peu partout. Backpack qui emmerde pas trop le monde. Voilà, arrière correct, voilà. Sympa, bon. Peu dommage qu'il y ait un creux ici, mais bon. C'est derrière, ça passe. Flingue de type Gatling, plutôt sympa. Voilà. Bon, c'est con qu'il soit creux ici, punaise, les économies de plastique. Mais bon, ce côté-là, voilà, cool. Beau petit look, donc toujours fourni avec un pied-point flingue, donc canon, voilà, machin. Et donc, bah, porte 5 mm éventuellement ici pour mettre le flingue. Je vois pas trop l'intérêt, mais warum nicht, hein. Non, franchement, voilà. Celui-là, franchement, je l'aime bien. Il a un beau look, voilà. Voilà, celui-là, je trouve que c'est celui qui passe le mieux dans le tas. Bon, on enlève les accessoires. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Donc. Voilà. Ça, c'est toujours pareil, hein. So, let's go! Transformation. Donc, transformer ce bestiau, bah, bon, pas compliqué, hein. Voilà. Émol sur émol. Donc, on commence à ce niveau-là. On décroche. Donc, en fait, voilà, c'est Plastoc là qui tient là dans les rainures. On replie le tout quand ça veut bien. On serre. On chope ici les panards. Voilà. Backpack. On le soulève, on le met par ici. On prend les bras. Donc ici, rotation, re-rotation. On coince ça par ici. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. La tête. Un demi-tour. On ramène ça ici. Et le backpack, donc à deux picots par ici, qui vont par ici. On referme le couvercle.
Le flingue, ici. Le double canon, ici. Et Swindle est transformé mode alternatif. Pas compliqué, Combiner Wars. 2 minutes. Transformation finie. Sans se prendre de la tête. Allez hop. Un genre de buggy Desert Attack. Ça roule vraiment bien. Bon. Donc roue monochrome plastoc à l'avant. Bon, avec un morceau de jante. Un truc qui fait illusion de jante là. Voilà. Bon, logo Decept couché sur le côté de ce côté là. Voilà. Un petit logo Decept ici. Un peu petit à mon goût. Bon. Là théoriquement si on cherche un peu on pinaille, bon on voit les points mais bon voilà, voilà beau détail, voilà on dirait qu'il y a les bagages ici, voilà les réservoirs, les marchepieds, l'arsocage complet ici. Bon, beau petit véhicule, moi j'aime bien, voilà le style. Et c'est à peu près le seul où le bidule là, c'est pas trop con. Hein. Peut éventuellement. Le mettre comme ça. Un genre de tourelle. Ah bon, autant le mettre à la limite, voilà. On le met comme ça. Comme ça. Avec le flingue. Ici. Voilà. Bon, cool, hein. Sympa. Pas autre chose à dire dessus, hein. Oh bah. Merde. Bon, allez. Au revoir les amis, à bientôt. Tchuss, tchuss, bye bye, ciao. Auf Wiedersehen. Hasta la vista.